Bonjour, bienvenue dans le théâtre Claude Lévi-Strauss et bienvenue au, au musée du Quai Branly jacques Chirac. Nous avons ce matin le, le plaisir d'accueillir dans, dans cet endroit assez, assez fabuleux le professeur Vinciane Pirenne-Delforge, qui est historienne, spécialiste de l'Antiquité grecque, des religions et des sociétés de l'Antiquité grecque, et actuellement en chaire au Collège de France sur cette chaire qui porte exactement l'intitulé que, que je viens de donner. Elle a été ancienne directrice de recherche au FNRS et elle est connue pour ses travaux autour de la mythologie et surtout des croyances de la société et de la religion grecque, principalement autour de la figure d'Aphrodite. <laughs> Nous allons en reparler. Euh, juste à ses côtés également le professeur Philippe Descola, professeur émérite au Collège de France. Et ben, c'est quand même assez étonnant. Voilà, on est dans le, le théâtre de votre directeur de thèse, si je peux dire, <laughs> Claude Lévi-Strauss. Philippe Descola est spécialiste de l'anthropologie, principalement autour d'un territoire qui est celui du territoire hachoir ou Choir, Équateur-Pérou. Et on va dépasser littéralement ce cadre chronoculturel pour parler des populations extra-européennes en essayant d'opposer l'un et l'autre, à la fois ces religions de l'Antiquité grecque, mais également les religions du lointain autour d'un thème commun qui est celui de l'invisible. La première question que je voudrais vous poser à tous les deux, peut-être à vous, Vinciane, en premier, c'est le thème de ce week-end, l'ethnologie va vous surprendre, et est l'invisible. Qu'est-ce qu'on entend par invisible dans l'Antiquité grecque Qu'est-ce qui n'est pas visible Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'immatériel, du spirituel, peut-être du merveilleux Qu'est-ce que c'est que l'invisible pour la Grèce antique alors tout d'abord merci pour l'invitation. Je suis ravie de cette opportunité d'un dialogue avec Philippe Descola. Euh, alors qu'est-ce que l'invisible Je dirais que c'est ce que j'appelle personnellement dans, dans mes cours et dans mes travaux le suprahumain. C'est-à-dire à la fois les figures divines, euh, figures divines qui sont aussi bien féminines que masculines d'ailleurs. Il faut toujours le souligner. Euh, il y a aussi les figures héroïques qui sont une spécificité, euh, dans l'Antiquité en tout cas, une spécificité de la Grèce antique, dans la mesure où ce sont des humains du passé qui sont donc censés avoir vécu à un moment ou l'autre et qui ont, qui ont conservé une capacité à intervenir dans la vie des vivants. Dans d'autres cultures, on pourrait parler d'ancêtres. Euh, réel ou supposé d'ailleurs, parce que la plupart du temps, euh, c'est une, une, une vision assez, assez fantasmée de notre point de vue euh, du, du passé. Et donc, il continue de se manifester, et c'est ce que les Grecs appellent des héros, notion que, par exemple, les Romains ne connaissaient pas comme telle, ce qui est, dans le cadre de la Méditerranée antique, intéressant à, à souligner. Euh, vous avez alors évidemment les morts eux-mêmes. Qui, eux, n'ont pas forcément euh, le même statut que les héros, mais qui font partie de l'invisible. Et on le voit très, très bien dans certaines représentations iconographiques sur des vases. Il y a une distinction entre le registre des humains vivants et celui, euh, et celui des morts. Donc, je dirais que c'est ça la catégorisation la plus large dans une première approche que l'on peut faire du monde de l'invisible en Grèce ancienne. Est-ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a aussi des créatures fabuleuses J'entends par là euh, des monstres. On pense évidemment aux monstres de la mythologie greco-romaine. Est-ce que ce sont des figures de style ou est-ce que ça participe de ce domaine de l'invisible Est-ce qu'il y a aussi des revenants, des vampires, des cas de lycanthropie, de, de, de loups-garous, etc. Est-ce que tout ceci fait partie du monde de l'invisible ou ce sont simplement des figures littéraires je me méfie beaucoup de l'expression figure littéraire. Désolé. Non, non, je, ça, ça ne vous est pas du tout adressé. Mais en général, je me méfie des notions de, de, de figure littéraire parce que euh, c'est souvent une appréciation qui vient de l'extérieur, de la part de chercheurs comme nous, qui n'avons évidemment pas qui ne participent plus de, ce, de, de, de cette représentation du monde. Donc nous avons tendance à voir des figures littéraires et des métaphores là où les anciens avaient un, une vision toute différente. Donc c'est pour ça que je me permettais de, 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 de réagir à cette, à cette expression. Alors le, le problème que me pose votre question, c'est que dans les, les récits, euh, mythes que l'on appelle les mythes grecs. Évidemment, il y a des figures monstrueuses, il y a des, des figures chimériques au sens, au sens propre, euh, mais elles sont en général associées à un passé lointain. À un passé lointain, c'est un invisible qui est en fait repoussé dans le temps des origines, si je puis dire. Donc, c'est un invisible qui n'est pas susceptible de revenir sur le, sur le, devant, de, sur le devant de la scène. C'est plutôt une manière de se représenter le, le passé. En revanche, il y a effectivement des récits, enfin, j'en vois surtout un, de l'icantropie. Euh, c'est le cas dans, au cœur du Péloponnèse, en Grèce, dans la, la région qu'on appelle l'Arcadie. Il y a une montagne qui s'appelle le Lucayonne, où il était raconté que si l'on entrait dans le sanctuaire de Zeus à cet endroit, euh, alors que c'était interdit, euh, on était transformé en loup pour neuf ans. Bon, alors évidemment, ça fait partie des récits. Et là encore, c'est une projection dans un passé où ça, se serait, pas, ça, se, ça serait arrivé, ça aurait c'était susceptible d'arriver. Donc le récit continuait d'être raconté. Alors évidemment, le, le caractère effectif de la, de la punition de celui qui contrevenait... Euh, Reste à l'appréciation du, du lecteur de ces textes. Philippe Descola, Quelle est le, quelles sont les représentations et à quoi correspondent les mondes invisibles pour des populations extra-européennes Je pense à la population hachoire, mais on peut dépasser ce contexte chronoculturel. Qu'est-ce qu'on appelle l'invisible dans ce contexte Alors, Je vais prendre une position intermédiaire entre les hachoires et les populations extra-européennes, parce que c'est quand même très large dans l'amplitude de la définition, et je vais parler de populations que j'appelle animistes, en un sens très précis, c'est-à-dire ce sont des populations au sein duquel il est normal de considérer que la plupart des non-humains disposent d'une subjectivité, d'une intériorité, d'une capacité à communiquer avec les humains, mais qui, en revanche, ces populations considèrent que chaque forme de vie, a euh, un corps qui lui est spécifique et qui lui permet d'agir dans le monde de façon particulière. Euh, autrement dit, c'est l'inverse au fond de ce qui nous est familier, c'est-à-dire euh, la euh, limitation au fond des capacités cognitives et morales à l'espace humaine d'un côté, ce que nous nous, nous pensons, que j'appelle le naturalisme, et d'autre part le fait que euh, les humains ne se différencient pas du reste euh, des éléments du monde parce qu'ils sont soumis aux mêmes lois de la nature, de la physique, de la chimie, etc. Donc dans un côté, on a le, le, un, 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 un mononaturalisme, et de l'autre côté, on a un plurinaturalisme. Dans un côté, on a une subjectivité généralisée, et de l'autre, on a une subjectivité réduite aux humains. Donc entendu en ce sens, des populations euh, qui euh, sont, euh, développent en quelque sorte leur euh, façon de, 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 de percevoir des continuités, des discontinuités entre humains et non humains dans différentes parties de la planète. Alors bien sûr l'Amazonie, mais aussi... Euh, le nord de l'Amérique du Nord, bien sûr les populations amérindiennes, euh, la, la Sibérie, euh, euh, certaines populations d'Asie du Sud-Est, euh, certaines régions de, de, de Mélanésie, etc. Donc c'est un archipel hein, euh, animiste. Et au sein de cet archipel, euh, l'invisible, je dirais, c'est ce qui est imparfaitement détectable par des moyens ordinaires. C'est-à-dire lorsque dans la vie quotidienne on est confronté à des événements inhabituels et qu'on a été socialisé de telle façon qu'on interprète ces éléments ou ces événements inhabituels comme la présence d'entités, alors appelons-les appelons des esprits parce que je pense que c'est le terme le plus général et le plus adéquat. On va détecter ces, ces esprits parce qu'on a appris que dans certaines circonstances, par exemple, si on entend un bruit mais qu'on ne voit pas de traces d'une présence active, si tout d'un coup un souffle chaud vous effleure alors qu'on est dans, il fait très froid ou l'inverse, etc. On peut, du fait des récits que l'on a entendus dans sa jeunesse, qui ne sont pas des récits dogmatiques, qui sont des récits de rencontres similaires. eh bien, on va apprendre à détecter dans son environnement euh, des présences euh, qui sont ordinairement invisibles mais que l'on peut voir aussi dans d'autres circonstances et en particulier dans deux autres circonstances. dans les rêves et dans les, euh, euh, les visions. Euh, en général, le terme est assez souvent euh, le même dans des visions qui sont provoquées parfois par des substances hallucinogènes, voire par du tabac, et puis dans d'autres circonstances, c'est-à-dire dans les rituels où l'on va accueillir ces esprits pour essayer de faire affaire avec eux, pour négocier avec eux, notamment parce que ce sont des esprits du gibier, et que dans ces populations que j'évoque, euh, la chasse joue un rôle très important et donc il faut bien, il faut s'entendre avec, avec, avec les animaux et avec les esprits qui contrôlent les animaux les maîtres du gibier et donc ces rituels sont organisés essentiellement dans, ce, dans cette perspective la plupart des juste pour faire une petite parenthèse la plupart des maladies euh, euh, enfin des maladies, des afflictions du corps et de l'âme sont provoquées par euh, des, euh, le, le fait que l'on mange des animaux parce que les animaux ont une intériorité, ont une âme, une subjectivité, etc. Et donc, lorsqu'on les boulotte, eh bien, on boulotte leur subjectivité. Ça, c'est très dangereux. Et euh, au fond, le chamanisme, c'est en grande partie euh, un moyen d'essayer de tempérer euh, les conséquences dramatiques du fait que, comme le dit un grand chaman inuit, Ivaluarjuk, euh, le plus grand péril de l'humanité, c'est que notre nourriture est essentiellement composée d'âme. Et c'est à cela, au fond. Euh, alors, ces esprits, ce sont des âmes, mais ce sont des âmes qui sont incorporées sous des apparences que l'on va quelquefois définir, mais la plupart du temps, ce sont des esprits animaux. C'est quoi un esprit animal ben, C'est une subjectivité recouverte d'un corps. Et ce corps, la plupart du temps, là où on porte des vêtements, euh, 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 va être nommé euh, du même terme que le terme vêtement. Autrement dit, ce sont des. Euh, enveloppes physiques que les êtres euh, endossent ou dont ils se débarrassent dans certaines circonstances pour en, en adopter d'autres. Et euh, quelquefois, ils se révèlent sous la forme de leur intériorité, c'est-à-dire sous, sous le costume, qu'est-ce qu'il a Eh bien, il y a un être qui se voit comme un humain. Et donc, il va révéler sa personne, sa personnalité humaine. Ça n'est pas un humain, mais c'est un esprit qui va se présenter comme un humain. Et lorsqu'il apparaît par exemple en rêve, il apparaît souvent, la plupart du temps même, sous une forme humaine, mais en déclarant son identité ou en manifestant de façon visible son identité, par exemple, je pense à des cas en Asie du Sud-Est, en portant sur l'épaule euh, la, la forme miniature du corps qu'il euh, endosse euh, ordinairement. Donc l'invisible, c'est ça, c'est un, un monde en fait de immanent, qui nous est familier, qui nous entoure, et dans lequel on n'est jamais sûr de l'identité réelle des êtres avec lesquels on interagit au quotidien, que ce soit des humains ou des non-humains. Et quels sont les moyens Vous avez cité la consommation de stupéfiants, vous avez cité les rituels. Quels sont les moyens et à qui sont-ils destinés Toutes les catégories de la population ou pas Quels sont les moyens donc employés pour interagir avec... Euh, ces mondes invisibles ou ce surnaturel, et notamment pour en tirer des informations, voire une protection, ou alors les repousser si jamais ils peuvent être malfaisants. Comment, comment ça se passe de façon pragmatique Alors, j'ai parlé tout à l'heure du, du rôle thérapeutique du chaman. Effectivement, le chaman est souvent un médiateur, mais euh, en réalité, à peu près euh, tout le monde euh, est dans, en mesure euh, d'entrer en contact avec euh, ces présences invisibles. Euh, je l'ai dit essentiellement par les rêves et par les, par les visions, euh, et de ce point de vue-là, l'oniromancie, enfin c'est plus que de l'oniromancie, à vrai dire, parce que l'oniromancie, c'est une façon de prédire l'avenir qui est absolument universelle, disons, et qui est fondée sur l'interprétation de certaines images oniriques, selon des, des modalités grammaticales, si je puis dire, qui sont standardisées dans, au sein d'une population. Mais là, c'est beaucoup plus que de l'oniromancie, c'est de la visite, si je puis dire. Pourquoi Alors, c'est fondé partout, hein, dans, dans tout l'archipel animiste et d'ailleurs bien au-delà. C'est fondé sur l'idée que euh, lors du sommeil, euh, l'intériorité, le, le, l'âme, quel que soit le terme qu'on emploie pour désigner cela, va se dégager des contraintes du corps et va pouvoir euh, euh, entrer en contact avec d'autres âmes, d'autres... Euh, esprits euh, et euh, échanger euh, de cette façon. Euh, donc chaque, 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 euh, chaque euh, morceau de, 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 de sommeil et de rêve euh, au matin livre des informations euh, sur euh, les choses qui se sont passées pendant la nuit et donc des informations sur ce que l'on pourra faire dans la journée et plus généralement sur ce que... Euh, pour prendre un exemple à Chouard, euh, euh, les, 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 ces, ces rêves sont interprétés le matin très tôt, euh, avant le lever du soleil. Et euh, un, 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 un homme me racontait, enfin, racontait, son rêve. Il était euh, un, un quelqu'un qui était euh, mort il n'y a pas très longtemps, il était lui il était apparu sous son apparence physique qu'il connaissait, euh, tout ensanglanté. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que euh, cette euh, ce, 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 cette personne euh, son, 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 son âme s'était incorporée dans un daguet, c'est-à-dire une sorte de petit, comme un chevreuil, si vous voulez. Et euh, le, le, le rêveur avait commis cette faute impardonnable, c'est qu'il avait tiré sur le daguet, parce que les, justement, on sait que les daguets, ce sont l'une un, des étapes de la réincarnation de l'âme des morts. Et donc, euh, il lui avait reproché de lui avoir tiré dessus. Donc voilà, c est, c est, ce sont ces petites informations qui vous permettent d'entrer en contact avec les... Aussi des morts récents, quand on essaye de tenir à distance d'ailleurs dans le monde de, de, de l'animisme, mais aussi euh, avec les esprits. Alors les chamans euh, interviennent de façon plus systématique, alors ça, ça dépend où, ils n'ont pas partout la même euh, fonction. Euh, euh, en, en, en Amazonie, euh, euh, ils, ils sont plutôt des... des ils sont plutôt des thérapeutes, plus au nord ils sont aussi des thérapeutes mais plus des intermédiaires, puis il y a différentes formes de chamanisme, Charles Stepanov en a bien parlé euh, donc je ne vais pas revenir sur cette, sur cette question euh, il y a aussi euh, cette, euh, je, je l'évoquais tout à l'heure les rituels, alors les rituels on fait advenir au fond les esprits mais on les fait advenir en leur donnant une forme conventionnelle et cette forme conventionnelle n'est pas une forme mimétique c'est à dire, on ne sait pas, au fond en dehors des chamanes qui rêvent le, leur rapport aux esprits, on ne sait pas très bien à quoi ressemblent euh, les esprits, et donc on essaye d'incorporer dans des masques ou des masques costumes qui sont par, en Amazonie très courants, c'est-à-dire enfin, un, un danseur va revêtir l'apparence d'un esprit, euh, à, euh, mais cet esprit ne va pas être mimétique au sens traditionnel. Cet esprit, euh, il va être signifié par les peintures corporelles euh, qui permettent de distinguer cette variété d'esprit. Et donc, ça, ça, ne, ça ne sera pas un esprit euh, jaguar ou un esprit euh, 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 toucan, et, etc. Mais ça sera, euh, le, au fond, la parure qu'adopte cette espèce euh, d'esprit-là. Vincent Pérendelforge est-ce euh, que les rêves ont également cette même importance dans l'Antiquité grecque Est-ce qu'il y a cette oniromancie, ou du moins ce voyage de l'âme à travers les, les rêves l'âme de quelqu'un d'autre ou l'âme du rêveur Et la deuxième question, est-ce qu'il y a des chamans grecs Bon, d'abord, vous aurez tous remarqué qu'oniromancie est un terme d'origine grecque, donc euh, voilà, ça, ça pose déjà le cadre, <laughs> ça veut dire qu'on a un, un mot grec, mais attention, est-ce qu'il y a une réalité grecque euh, bien identifiable derrière C'est toujours le, le, le défi. De notre propre langage, puisque nous sommes les héritiers des Grecs et des Romains, mais avec évidemment une ressémantisation des, des termes. Ceci dit, romancier existe évidemment en Grèce, mais je dirais de façon moins systématique que dans les exemples que, que Philippe Descola vient d'évoquer, de, vient parce qu'évidemment nous ne sommes pas dans une société animiste au sens qui, qui vient d'être défini, la, la catégorisation des êtres suprahumains se fait différemment et est fondée aussi sur une séparation initiale, c'est-à-dire que euh, dans, dans les dans les récits fondateurs de, de, de l'humanité tels que les Grecs la représentaient, il y a eu cette crise inaugurée par le, le partage d'un bœuf par Prométhée, qui a en quelque sorte euh, sanctionné une distinction statutaire entre les dieux et les hommes. Il y a une, un éloignement qui fait que la communication va devoir s'instaurer à distance. Euh, donc la communication est possible, et j'y viens. Euh, puisque l'oniromancie est un des canaux de cette communication, mais euh, et, et évidemment on est, on est susceptible aussi d'interpréter dans le, le monde qui nous entoure, on est susceptible d'interpréter des signes qui sont divins. Euh, donc voilà, on est on est toujours, il est toujours possible à un moment ou à un autre de croiser une manifestation divine, mais de façon moins systématique que dans les, les mondes. Dans les archipels animistes tels que Philippe Descola les a, les a, les a thématisés. Euh, et évidemment, le rêve est un, est un moyen d'avoir de, de, un message, un signe divin. On a d'ailleurs. Alors, il n'y a pas d'introspection systématique comme, comme celle. En tout cas, elle ne nous est pas connue. Parce qu'évidemment, le problème, vous l'aurez tous compris, euh, mon problème par rapport à, à la démarche de Philippe dans mon propre contexte, c'est que moi, évidemment, je ne peux pas faire d'observation de terrain. J'ai des médiations euh, textuelles, iconographiques. Donc, voilà, je peux me saisir de certains des instruments de l'anthropologie. Mais lui mais... n'a pas de texte. Vous, vous avez des voilà, textes. Voilà, exactement. De... Et donc, nous sommes, nous sommes tout, tous les deux très jaloux de, du matériel de l'autre et on essaye de faire ce qu'on peut. voilà, Mais en tout cas, pour ce qui est des rêves. Ce qui me frappe toujours, c'est le nombre de dédicaces que l'on a à partir du début de la période hellénistique, donc on est à la fin du IVe siècle avant notre ère, euh, où on voit la dédicace qui est faite sur ordre du Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a eu un message qui a été interprété comme tel par, euh, par le dédicant. Alors le message, évidemment, parfois il est spécifié que c'est à la suite d'un rêve, mais pas toujours. C'est parfois un commandement qui passe par d'autres voies qui ne sont pas définies. Un oracle, par exemple oui, mais dans ce cas-là, disons qu'un oracle, alors c'est beaucoup plus explicite. S'il y a une démarche par rapport à un oracle, c'est beaucoup plus... En général, c'est sur ordre du Dieu. C'est comme ça que c'est dit en grec. Donc, on peut supposer que derrière, il y a, il y a un rêve ou, ou un signe qui aura, été, qui aura été interprété. Et puis alors, il y a évidemment aussi ce, cette démarche absolument fascinante qui est le, la consultation. D'Asclépios dans les sanctuaires médicaux. Là, j'arrive sur votre terrain. Euh, C'est-à-dire que quand vous êtes pris d'une maladie dont vous ne, pouvez, vous ne voyez pas l'issue, vous pouvez aller dans un sanctuaire du dieu Asclépios. Donc, à partir de la fin du 5e siècle, et puis surtout à partir du 4e, avant notre ère, ces sanctuaires se multiplient. Et donc, vous allez procéder à ce qu'on appelle, avec un mot latin, cette fois-ci, une incubation. Donc, vous passez la nuit dans le sanctuaire, vous espérez que le dieu va vous apparaître en rêve. Pour donner finalement le diagnostic, voire le, euh, le remède nécessaire, voire guérir d'emblée. Et là, en fait, l'incubation, le, le, c'est un rite divinatoire. Ce n'est pas un rite thérapeutique, comme on dit souvent. C'est un rite divinatoire. C'est l'oniromancie dans sa pleine acception. Euh, le dieu doit apparaître en rêve et on a quelques dédicaces absolument fascinantes sur ce, sur ce processus. Donc, voilà pour votre question. J'ai oublié la deuxième. La deuxième était, existe-t-il des chamans Ah grecs oui, des chamans. Je, je m'étais empressée de l'oublier. <laughs> c'est une technique, c'est une technique. C'est une technique, voilà. Malheureusement, vous, vous n'avez pas oublié. Bon, alors, on a longtemps parlé de chamans grecs, évidemment. Il y a notamment un très, très, très bel ouvrage d'un chercheur anglais qui s'appelle Dodds, Eric Dodds. Et donc, on a parlé de chamanisme grec. Aujourd'hui, on est beaucoup plus prudent. On est beaucoup plus prudent. Euh, alors évidemment, la comparaison est un outil d'analyse absolument intéressant, et c'est pour ça que euh, voilà, nous, enfin, moi je suis ravie d'interagir avec, avec Philippe parce que effectivement, on, en, en regardant ailleurs, en décentrant le regard, on, on peut poser de nouvelles questions à son propre matériel. Donc c'est un, un, un instrument d'analyse extrêmement puissant. Mais rabattre simplement un vocabulaire culturellement déterminé euh, sur euh, un autre contexte culturellement déterminé est toujours extrêmement euh, problématique. Donc, personnellement, je résiste à cette, euh, ce que je considère un peu comme une facilité de langage. C'est-à-dire, quand on dit chamanisme grec, on a l'impression qu'on a identifié un phénomène bien, bien précis. Or, les. les le contexte est différent. Il n'y a pas de, de, je dirais, de figure aussi systématiquement engagée dans le rapport avec les dieux euh, en Grèce que ce que l'on voit avec la figure des, des, des chamans. Donc, évidemment, dans les récits mythiques que j'évoquais tout à l'heure, il y a des figures. Euh, qui ont eu un contact privilégié avec l'invisible. Bien sûr, ça existe. Pensez à Tiresias. Par exemple, mais Tiresias c'est un devin. C'est pour ça que j'ai un peu du mal à utiliser le terme de chaman. Mais par exemple, il y a une figure qui s'appelle Aristéas qui était censé euh, voyager de façon euh, immatérielle euh, d'un endroit à l'autre. Voilà, donc ça, on peut dire, il y a quelque chose de, de ce que l'on connaît dans d'autres cultures comme étant... Une, une compétence chamanique mais c'est extrêmement fugace ça n'a rien de systématique et en tout cas dans la vie des cités grecques telles que je l'étudie ce sont des figures qui ne sont vraiment pas très présentes voilà si je peux répondre ainsi à cette question on vient donc d'enterrer les chamaniques ils ont été enterrés depuis longtemps <laughs> si vous me permettez on va rester dans le thème des enterrements si vous me permettez avec la figure des défunts, des morts euh, la question s'adresse à Philippe d'Escola. Euh, dans cet archipel que vous nous avez décrit, euh, archipel animiste, euh, les morts représentent-ils une opportunité bienveillante Représentent-ils une dangerosité Quelle est en fait la limite raisonnable, j'entends par là la distance raisonnable, entre la communauté des vivants et la communauté des morts Qu'est-ce qui est bon Qu'est-ce qui peut se révéler potentiellement dangereux La distance doit être la plus grande possible vis-à-vis -vis des morts. Euh, c'est une des choses très frappantes euh, lorsqu'on fait du terrain euh, en Amazonie. Et ça m'avait beaucoup frappé chez les Hatchoirs parce que c'est pathétique. Après une mort, un décès, euh, et malgré le chagrin euh, évident que montrent les parents devant le corps, euh, les, la réaction habituelle, c'est d'entonner des chants pour euh, inciter euh, le défunt, l'âme du défunt, à ne plus s'approcher des vivants. Et donc, les, les, les leitmotivs, c'est « ne m'appelle plus jamais pour, par mon nom »,« ne viens plus jamais me voir »,« ne m'appelle plus jamais fils ou fille ou père », etc. Et donc, il s'agit de mettre à distance d'emblée euh, le défunt. On fait ça aussi, par exemple, en sautant à travers des feux, de façon à ce que la fumée euh, empêche l'âme du défunt de suivre, et leur destinée, en général, est plus ou moins... Bon, en général, l'escatologie n'est pas quelque chose de... Enfin, la destinée des morts un peu partout dans le monde n'est jamais quelque chose de très précis. Elle est sujette à des interprétations individuelles, etc. Mais dans le monde animé, c'est tout particulièrement le cas. Donc il y, a des, il y a quelques métamorphoses, l'âme des morts va aller euh, dans, dans certains animaux, etc. Puis elle va disparaître au fond. Et, et le danger, bien sûr, c'est que les morts sont euh, euh, de, 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 tout d'un coup plongés dans une solitude désespérante. Et ce qu'ils doivent faire, c'est d'essayer d'attirer, enfin ce qu'ils cherchent à faire, c'est d'essayer d'attirer les vivants. Dans, cette, dans, dans, dans ce monde euh, tout en demi-teinte. C'est un monde qui est euh, privé euh, euh, des joies de la sensibilité. Euh, c'est un monde sans couleur, c'est un monde sans odeur. Et ce que font, par exemple, chez les Hatchoirs, les, 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 les défunts récents, euh, qui se sont transformés en une forme d'esprit qu'on appelle ivyanch, c'est d'essayer d'attirer les enfants. Et donc, assez souvent, on dit que des enfants dis, quand des enfants disparaissent, ils disparaissent pour un bout de. Un petit, un petit moment simplement parce qu'ils sont perdus en forêt mais c'est un village qui les a attirés parce qu'ils ne peuvent plus supporter cette, cette solitude et donc l'idée d'une ancestralité ou de le, que l'on devrait quelque chose d'important euh, aux générations qui nous précèdent qui est très présent dans d'autres régions du monde bien sûr en Afrique bien sûr euh, en, dans certaines régions d'Océanie, de, 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 etc. Il n'a ici aucun sens. Au contraire, il faut se débarrasser euh, euh, le plus vite possible euh, des morts. On le fait par exemple, euh, c'est assez douloureux d'ailleurs, en se crachant réciproquement du jus de tabac dans les yeux, de façon à euh, éviter euh, que la vision du mort ne vienne s'incruster euh, dans la mémoire. Donc il y a toutes sortes de dispositifs de ce type-là pour écarter, pour écarter les morts qui rendent l'archipel animiste tout à fait singulier de ce point de vue-là par rapport à d'autres traditions culturelles et notamment par rapport à notre passé, à nous aussi. Nous, nous, nous héritons d'une culture du monde méditerranéen la Grèce bien sûr, mais d'autres, qui fait que les morts pour nous sont une ressource d'une certaine façon, alors que là c'est l'inverse d'une ressource dont on parle. Et que deviennent les dépouilles Que fait-on des dépouilles en l'occurrence alors c'est très variable. On, les, on peut les exposer, on peut les enterrer, on peut les manger. Et les manger consiste à leur donner une sépulture, si je puis dire, dans le corps, qui leur évite cette chose abominable, à savoir le poids de la terre sur le corps. Ce qui est très curieux dans le rapport aux, aux, aux morts, c'est que, au fond, ces, ces esprits qui sont très singularisés. Euh, du, dans leur vie, euh, finissent par se désagréger pro progressivement, c'est-à-dire que l'âme euh, s'attache à d'autres corps et puis petit à petit euh, disparaît. Donc, y a pas... et, et pourtant, euh, chez les humains, particulièrement euh, euh, chez les atchouars, euh, les, les jivaros en général, le stock des âmes, c'est-à-dire le stock des individualités, est fini. Et c'est une des explications de la, de la chasse aux têtes et de la réduction des têtes, de ce grand rituel au moyen duquel euh, on va euh, euh, transformer l'identité d'un mort ennemi pour en faire euh, un, 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 l'amorce, la potentialité d'une identité dans un groupe local. Et donc, y a une, au fond, il y a un jeu sur ces, sur ces, sur ces âmes. Euh, qui sont en nombre fini, mais qui, euh, du fait de, de la mort, finissent par se désagréger. C'est pour ça qu'il faut en capturer euh, à, à l'extérieur pour les réinjecter euh, dans, le, dans le système. Avec ce jeu, comme j'ai dit, de, 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 const, qui, const, constant sur le rapport entre le visible et l'invisible, entre l'âme qui peut prendre une certaine forme à certains moments et puis aussi se disparaître dans le néant euh, à d'autres moments. Une sorte d'arithmétique de la mort, en fait. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, oui. Vincent Pirendel-Forge, arithmétique, hein, on est toujours dans les termes grecs, désolé. Euh, Est-ce qu'il y a également cette euh, dangerosité des défunts dans de l'Antiquité grecque Peut-être en précisant qu'on parle de la Grèce, mais en fait, ce sont les Grèces, les territoires, ont chacun leur particularité. Est-ce que ces morts sont potentiellement malfaisants, euh, dangereux Est-ce qu'ils peuvent servir également de médiateurs euh, pour les sorciers, pour... Euh, Faire une action plutôt maléfique. Oui. Alors, évidemment, le, les, nos mondes sont, sont, sont fort différents, mais il y a quand même des, 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 point, des points de comparaison. D'abord, peut-être, et, et ça vaut aussi bien, enfin, ça vaut, comme le disait Philippe, pour, pour le, la plupart des cultures de la Méditerranée antique, euh, il y a la nécessité, donc, les morts, le, le soin aux morts fait partie des injonctions essentielles. De, 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 de ce que doit faire un humain. C'est évident. Le soin aux dieux, le soin aux parents vivants, le soin aux morts, c'est fondamental. Ça fait partie de la, de la conscience que nous appellerions aujourd'hui morale. C'est Antigone. C'est Antigone, exactement. Pas, pas qu'elle, mais c'est effectivement Antigone, c'est-à-dire vraiment cette nécessité d'attribuer ce qui leur revient aux au défunts. Donc, ça, c'est un. Quelle que soit la multiplicité du monde grec et, et le, le caractère bigarré de ces de coutumes, ça, je dirais que c'est un invariant, et, et je peux aussi l'étendre aux romains et, et à toutes les cultures de la Méditerranée. Donc le soin aux morts est quelque chose d'essentiel, et donc la dangerosité des morts vient arrive quand on n'a pas consenti ce type de démarche attendue. Il y a cette magnifique scène dans, dans l'Iliade où le Patrocle a été tué sur le champ de bataille, les Troyens se, 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 se le dépouillent, et se, se, voilà, veulent, veulent soustraire sa, sa, sa dépouille aux, aux Achéens. Et donc Patrocle apparaît en rêve, justement on parlait du rêve, apparaît en rêve à Achille et, et, et lui dit, euh, ne me laisse pas euh, dans, dans les mains de, de, des ennemis qui vont outrager mon cadavre, je dois recevoir. Euh, des, des honneurs funèbres. Donc, on voit bien qu'il y a là une, une dangerosité potentielle euh, des morts errants, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas reçu. C'est assez, assez répandu. Ceux qui n'ont pas reçu les honneurs funèbres adéquats. Et ceux-là, les, les Grecs ont un, un, un mot pour, pour, pour désigner ces morts et des, des auroi qu'on appelle. Ce sont des, ces morts errants. Exactement. C'est vraiment le terme que vous avez utilisé. C'est l'histoire qui... du fantôme, pardon. C'est l'histoire du fantôme à Athènes, racontée par Pline, qui est, qui est un esclave privé de sépulture. Absolument. qui se Absolument. Dès qu'on est privé de sépulture, on est susceptible de se manifester. Donc quelque part, la sépulture et cette Barrière nécessaire entre les vivants et les morts, euh, auxquelles s'ajoutent évidemment les, les, les hommages récurrents à la tombe euh, qu'il faut continuer d'entretenir. De, Donc, euh, voilà, cette, euh, cette dangerosité, elle vient de, de des honneurs qui n'ont pas été accomplis correctement. Euh, puis, alors, l'usage, le, le, alors, est-ce que ça, les morts peuvent être des médiateurs Il y a des pratiques en Grèce. Euh, qui consiste à déposer dans des nécropoles des lamelles de plomb inscrites avec des exécrations terribles par rapport à des, des, des personnes auxquelles on veut faire du tort. Et de ce point de vue, les morts sont considérés comme des médiateurs pour alerter les dieux de l'au-delà de l'action qu'ils vont pouvoir euh, entamer contre la personne qui est visée. Donc, ce ne sont pas les morts qui sont les acteurs de cette exécration, ce sont les dieux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important à souligner. C'est-à-dire, on a toujours dans ce genre de démarche, de sollicitation, une puissance divine qui doit agir. Mais le mort est médiateur. C'est une sorte de postier infernal. Si vous voulez, c'est une, euh, une assez jolie métaphore. C'est ça, c'est vraiment un intermédiaire qui va pouvoir transmettre aux dieux de l'au-delà. Euh, le, le, le vœu malfaisant euh, des vivants. Alors évidemment, c'était extrêmement euh, contestable. Hein, dans dans la, la religion officielle, euh, ne, ne reconnaissait pas ce, ce, ce type de choses et pouvait même euh, déployer des démarches ju judiciaires contre ce type de, de pratique. Mais elles, elles existent. On en a des traces dans la documentation épigraphique. Mais est-ce que tous les morts se valent J'entends par là, est-ce qu'il y a des mauvaises morts une femme morte en couche, un enfant, un soldat tué à la guerre, un suicide. Est-ce qu'il y a une sorte de hiérarchie des mauvaises morts, des morts prématurées, des morts simatura, ou Oui, les Aoroï dont je parlais tout à l'heure, ce sont en général des morts prématurées, c'est-à-dire des, des, des figures effectivement qui n'ont pas eu leur content d'existence de, et qui sont donc en demande d'autre chose. Mais, encore une fois, des, des, des démarches rituelles adéquates peuvent absolument créer la barrière nécessaire entre ces, ces différentes figures. Euh, alors, le rapport au, au, aux morts violentes peut effectivement être problématique. Euh, dans ce cas-là, que fait-on si des, des morts violents, enfin des, des, plutôt des défunts morts de morts violentes, continuent de se manifester en dépit des, des, des rituels que l'on a accomplis Alors, qu'est-ce qu'on fait On va voir l'oracle. On va voir l'oracle parce que ça signifie que quelque chose continue d'être problématique. On va voir un oracle et puis l'oracle donne une injonction. On a, on a de, un, un tr très bel exemple chez, chez Hérodote. Euh, bah vous avez. Euh, des, des ennemis qui ont été lapidés de façon manifestement injustifiée et continuent de se manifester, c'est-à-dire l'endroit où ils ont été enterrés, donc ils ont été enterrés. Eh bien, dès que vous passez par là, euh, bah si c'est des animaux, ils commencent à être malades, les, les humains ont des problèmes. Donc, on voit bien que la zone est problématique, même si l'enterrement a eu lieu. Et donc. Que va dire l'oracle Eh bien, il faut les honorer chaque année par des sacrifices. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut ajouter des rituels aux rituels. Et alors, on apaise les morts. Donc, voilà, il y a toute une série de stratégies. Euh, et dans ce cas-là, ce sont les dieux qui donnent la solution. Philippe Descola, est-ce qu'il y a de la même façon, dans cet archipel animiste, des lieux qui sont hantés Des lieux qu'il vaut, qu vaut mieux ne pas fréquenter Parce que des entités. Euh, Surnaturelles, de mauvais morts éventuellement, euh, les, les habitent. Est-ce qu'il y a des lieux où l'homme ne doit pas séjourner pour des raisons de sécurité, de respect ou de, de tabou, si je peux utiliser le terme Pas au sens que Vinciane vient d'évoquer. Il y a effectivement des endroits où il y a eu des mal-morts qui sont euh, euh, chargés d'un courant négatif parce que des. Euh, ça je pense en particulier à Sibérie, des, des, des âmes airs euh, euh il n'y a pas eu de sépulture, il n'y a pas eu donc il y a des choses un peu analogues, mais il y a pas avec cette force-là. Il y a au fond le domaine du sacré, hein, qui est une catégorie à la fois que nous avons hérité aussi de la Méditerranée d'une part et qui a été reprise par l'histoire des religions et par la sociologie, bien sûr Durkheim au premier chef, n'a guère de sens, je pense, dans l'archipel analogiste. En revanche, il y a des endroits qui sont plus particulièrement intéressants en que euh, ce sont euh, des, des, alors des esprits, des non-humains, des, des animaux en particulier, qui résident et qui mènent au fond leur propre existence. Euh, par exemple, en Amazonie, euh, les maisons des animaux. Euh, les animaux vivent leur, à l'écart des humains euh, la plupart du temps. Et lorsque les humains ne les voient pas, ils se dépouillent de leur apparence et ils mènent une vie sociale analogue à celle des humains. En tout cas, ils imaginent mener une vie sociale analogue à celle des humains. Ils ont des rituels, ils ont des chamans, etc., etc. Et ces endroits-là sont des endroits que seuls les chamans peuvent visiter. Et pour revenir à la question de la mort qu'on qu évoquait tout à l'heure, euh, L'équivalence entre des morts humaines et des morts euh, animales fait que, dans certains cas, par exemple, le chaman doit se déplacer dans la maison du maître du gibier, par exemple, qui est une maison qui qui qu qu est une maison analogue à celle des humains, euh, dans, le, dans, dans, dans laquelle euh, les animaux sont... Euh, alors je pense que c'est le nord-ouest de l'Amazonie, ça. Les animaux sont pendus euh, aux solives, un peu comme des jambons euh, dans une cave. Euh, et euh, le chaman négocie avec le maître du gibier euh, un lâcher euh, d'animaux pour euh, sa communauté, pour que les membres de sa communauté puissent chasser. En échange d'âmes humaines qu'il va amener. Et la négociation est très, euh, euh, vraiment, euh, terre à terre. C'est-à-dire, il y a tant d'âmes humaines pour tant d'animaux. Et lorsqu'ils sont convenus euh, du, euh, du prix à payer, le chaman va secouer euh, les poteaux euh, de la maison de façon à ce que les animaux tombent et s'en aillent dans la forêt pour qu'ils puissent être chassés par les membres de la communauté. Et s'il y en a plus qui tombent que ce qui avait été convenu, on doit recommencer la négociation. Donc, c'est des endroits qui ne sont pas sacrés au sens habituel du terme, mais c'est des endroits euh, privilégiés, au fond, pour la communication et l'interaction avec, euh, avec les, les animaux, avec les esprits. Au fond, le terme est équivalent. Hein. Tout, tout, tout est esprit, euh, y compris les plantes. Et donc, lorsqu'on parle d'esprit, on parle d'esprit on qui ont des formes différenciées, des, 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 des apparences différenciées, mais tout est esprit. Là, on est en train de toucher à une notion que vous avez développée, qui est cette, ce dépassement, ce, ce refus de la dualité nature-culture. Euh, la nature est totalement anthropomorphe dans cette maison que vous nous avez décrite, toute cette question d'une peau qu'on retire, d'une vision qu'on peut avoir complète de l'individu. Est-ce que vous pouvez nous détailler un tout petit peu cette, 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 ce dépassement, justement, de la frontière entre nature et culture par, par d'autres exemples autour de ces formes de l'invisible Alors. Quand on parle de dépassement, euh, c'est un peu un excès de langage, parce que ça voudrait dire que c'est la norme, alors que c'est l'inverse. Euh, ce qui pour nous est familier, à savoir précisément le fait qu'il y a d'un côté le monde des conventions sociales, des humains, de la culture, de, du symbolisme, etc., et de l'autre le monde des régularités naturelles. Quelque chose de très exceptionnel. Euh, on en trouve, et Vincien en parlera peut-être, des préfigurations en, en, en Grèce à travers les différents sens du mot foussis, par exemple, et des, et des différentes élaborations auxquelles ça s'est prêté, notamment chez certains. Euh, philosophe, je pense en particulier à Aristote, qui peut-être couvre le champ le plus large de ce point de vue-là. Euh, mais même en Grèce, il est difficile d'imaginer, euh, de, rétrospectivement, de voir euh, dans les différents usages du terme fausse un équivalent de cette euh, dissociation qui commence à s'opérer. Euh, euh, en, en Europe à partir du XVe siècle dans les images, à partir du XVIIe siècle dans les textes, et qui va véritablement distinguer deux mondes euh, qui sont épistémologiquement séparés, et euh, qui au XIXe siècle, avec l'invention de la culture, hein, et, et donc le fait que les humains agissent comme des collectifs. Et se transforment comme des collectifs parce qu'ils agissent sur la nature va parachever au fond cette, cette dualité entre nature et société qui est une, 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 une particularisme au fond à la fois un particularisme à la fois européen et, 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 et historique qui n'existe nulle part ailleurs. Alors les manifestations de cette non pas de, de, de ce dépassement mais au contraire d'une de, de, il y a toujours des discontinuités et des continuités, bien sûr, puisque n'importe quel humain un peu observateur euh, va s'apercevoir qu'entre euh, sa personne et, et euh, des non-humains, il y a des différences, mais il y a aussi des ressemblances. Simplement, les différences et les ressemblances ne passent pas au même endroit. J'en ai évoqué tout à l'heure à propos de l'animisme euh, une série, hein, c'est-à-dire le, le fait que pour dans, dans, dans l'archipel animiste, les, les, les différences passent par l'intériorité, et, et, et ne passe pas par l'intériorité, mais par la, di, la dimension physique, la dimension corporelle, le fait qu'il y a autant de, 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 de formes d'existence, qu'il y a de types de corps qui peuvent se relier à des aspects du monde, et ce qui est tout à fait euh, compréhensible, hein, le, le, le monde d'un aigle harpie euh, dans la, dans la, dans la, dans la, qui vole. Euh, Bien au-dessus de la canopée en Amazonie, euh, n'est vraiment pas le monde d'un poisson-chat. Euh, ils ne se rencontrent jamais. Euh, mais le génie, euh, évidemment, de l'animisme, c'est qu'ils se rencontrent parce que leurs intériorités peuvent communiquer, mais pas leur corps. Mais les corps peuvent communiquer aussi, mais euh, dans le grand schéma de la. Prédation, de la chaîne trophique, hein, qui est caractéristique aussi du monde analogiste. Tout le monde mange tout le monde, euh, mais avec une hiérarchie. Eh bien, ce, ce, cette, cette façon de concevoir des continuités, des discontinuités entre humains et non-humains est, est, est donc caractéristique d'une grande partie du monde. Ailleurs, on a conçu, et je le. le la Grèce se rapprocherait plutôt de ce, de, de ce modèle, au fond que le monde est composé d'un très grand nombre d'éléments, de, 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 de situations, d'états, euh, d'êtres et de composés d'êtres, etc. Et que, à l'intérieur de, euh, de ce grand chaos euh, d'entités de, de, disparates, de composantes disparates, il faut pouvoir trouver euh, des connexions des correspondances, et euh, de ce fait, on va euh, tisser euh, des liens, qui sont souvent des liens interprétatifs, on, on, on en trouve la trace euh, dans la divination, dans l'orniromancie, dans les oracles, dans les, dans les traités de mé médicaux, etc. Euh, et, alors j'ai appelé ça analogisme, parce que la pensée analogique y joue un rôle. Euh, le raisonnement analogique est universel, mais qui, euh, dans le cas présent, est, est très important. Et alors, je pense par exemple aux relations entre macrocosme et microcosme qui sont qui nous paraissent aller de soi parce qu'elles font partie de notre passé. C'est-à-dire le fait que le, le, le corps humain et sa destinée euh, euh, est en partie euh, défini par euh, des actions qui se passent dans le grand monde, dans l'espace cosmique, dans le mouvement des planètes, etc. Une chose qui est caractéristique de la pensée grecque et qu'on trouve bien avant dans le monde méditerranéen aussi, en Égypte, etc., qui s'est poursuivie jusqu'à maintenant. Lorsqu'on consulte un horoscope, on fait, on fait cela. Mais en Amazonie, par exemple, enfin, dans l'archipel analogique, ces choses-là n'ont guère d'importance. Il n'y a, a, a pas de pensée, il n'y a pas de réflexion systématique sur le rapport entre macrocosme et microcosme. Donc, il y a de très nombreuses formules, au fond, pour percevoir des liens, des connexions entre humains et non-humains que l'humanité a expérimenté au fil du temps. Et l'une de ces formules, c'est celle qui nous est familière, qui est l'opposition entre d'un côté la nature, de l'autre le monde des humains, la société, la culture, etc. Et que nous pensons à tort être universel. Voilà, donc une des choses que j'ai essayé de faire, c'était de remettre en cause cette universalité pour trouver d'autres formes d'universalité dans les mécanismes au moyen desquels euh, on met en rapport euh, humain et non-humain euh, dans, voilà, dans toutes sortes de, de, de circonstances. Vincent pianel je vous me voyez venir avec mes gros sabots. Dans la Grèce antique, où il y a cette notion d'opposition entre la cité et l'espace qui est entre les cités, notion d'oekoumène, l'opposition grecque-barbare et mondes inconnus, est-ce qu'il faut également aller par-delà nature et culture Bon. Vous avez, vous avez 12 minutes. <laughs> J'ai 12 minutes, voilà. Alors, évidemment, le, le, le problème, et Philippe l'a laissé entendre, c'est que dès qu'on parle des Grecs, on a l'impression d'assister au théâtre euh, originel de toute une série de choses. Bon. Et puis, on doit, en tant que chercheur sur, ces, sur ce domaine, on doit passer beaucoup de temps à déconstruire cette, ce, ce que j'appelle souvent le grand récit. Euh, Fondateur et originel qui est attaché à la Grèce. Alors, bien sûr, on a cette opposition Fusis-Nomos, euh, qu'on traduit généralement par nature et culture. Euh, on on l'a, avec quelqu'un comme Aristote, c'est incontestable que quelque, so, quelque chose se joue. Mais. J'ai souvent l'habitude de dire que moi, je ne suis pas philosophe, je suis historienne. Et quand j'essaie de mettre un tout petit peu les philosophes de côté, parce qu'ils ont pris toute la, beaucoup de place dans, dans la réflexion de l'Occident sur la Grèce ancienne, euh, le, le tableau est plus, plus complexe et aussi, à mon sens, mais là je prêche pour ma paroisse, plus intéressant, je trouve. Plus intéressant. C'est-à-dire que quand on regarde... Euh, la notion de fuciste dont, dont parlait euh, philippe on voit bien que la racine du terme c'est la croissance c'est-à-dire c'est tout ce qui croît tout ce qui euh, se, se manifeste dans une trajectoire de donc ça veut dire que quelque part une pierre que nous nous allons placer dans la nature ne fera pas partie a priori de ce registre là donc on voit déjà bien que les les, les, les frontières ne passent pas nécessairement par les, les endroits où nous voudrions qu'elles passent en fonction de nos propres représentations. Alors évidemment, dès le Ve siècle avant notre ère, les sophistes à Athènes ont commencé à réfléchir sur cette opposition entre ce qui relèverait de la fucis et ce qui relèverait du nomos, c'est-à-dire le nomos étant dans leur représentation, la coutume, les usages des humains. Mais dès qu'on donc ça, ce sont les sophistes. Donc c'est quand même une forme d'approche très très philosophique. Mais quand je regarde la pratique polythéiste, qui est quand même le cœur de ma de ma démarche, je vois tout de suite que là aussi, les, les, les frontières ne passent pas nécessairement où, où elles semblent s'inscrire se, se, dans cette opposition approximative entre nature et culture. Je vous donne un exemple parce que l'exemple le, est souvent plus plus parlant qu'un qu discours théorique. Euh, dans la, la multitude des dieux grecs, on a notamment euh, des figures féminines qui s'appellent les Horailles. Alors les Horailles, on les traduit souvent par les heures, bon, ce qui n'est pas totalement faux, mais qui est un peu réducteur. Et les Horailles, ce sont les filles dans la généalogie de la Théogonie d'Hésiode. Ce sont les filles de Zeus et de Thémis. Thémis, c'est un principe régulateur général qui vaut à la fois pour ce que nous appelons la nature et la culture, c'est-à-dire c'est vraiment un filet régulateur de l'ensemble du monde. Donc déjà là, on voit bien que la distinction s'opère mal. Et les Orailles, ce sont des divinités de l'instant de propice, du développement adéquat, euh, qui vaut aussi bien pour euh, l'arbre qui pousse, euh, l'herbe ou les céréales ou que sais-je mais aussi pour le temps propice dans les communautés humaines, pour le temps adéquat où, par exemple, un jeune homme va devenir un homme, une jeune femme va devenir une femme. Les Orailles vont aussi procéder à ce, ce type de patronage. Donc on voit bien que rien qu'en prenant le monde grec par le biais de sa représentation du monde via les puissances divines, la stricte dichotomie nature et culture ne fonctionne pas bien. Ne fonctionne pas bien. Voilà, j'ai pris 4 minutes. Hein. Vous êtes parfaite. Vous êtes. Du coup, ça Mais j'espère que c'était suffisamment précis et clair. Ça détaille. Du coup, j'en profite pour vous poser encore une autre question qui tient cette fois-ci à la mort des dieux. Mmh. Les dieux peuvent-ils mourir Et s'ils meurent, de quoi meurent-ils On a tous en tête Omégaspan, mmh. le grand dieu pan a fini de mourir, entendu au large du Péloponnèse. De quoi sont morts les dieux Si les dieux grecs sont morts, ce que je n'espère intimement pas. Bon, il y a plusieurs manières de répondre à cette question compliquée. Euh, D'abord, si je me place dans le fonctionnement du polythéisme grec, hein, les dieux ne meurent pas. Bon. Alors, ils peuvent naître, ils sont immortels, euh, mais encore une fois, il y a l'identité narrative des dieux, ce que j'appellerais l'identité narrative, et puis la manifestation de la puissance. Qu'est-ce que j'entends par identité narrative C'est la manière dont les poètes doivent se saisir de la figure des dieux pour exprimer quelque chose de leur puissance et aussi de leur présence au monde. Et donc, euh, par exemple, chez un poète comme Hésiode, au VIIe siècle avant notre ère, qui va raconter la généalogie des dieux, forcément, si vous parlez de généalogie, vous devez faire naître. Mais Hésiode passe son temps à faire naître des entités dont il dit par ailleurs qu'elles sont toujours. Donc l'identité narrative de ces dieux impose de les faire naître, mais fondamentalement, ils sont toujours. Donc on voit bien que là, il y a le, le jeu sur cette, cette ambiguïté. Et puis, ils ne naissent pas, ils sont immortels. C'est ça la spécificité d'un dieu grec. C'est qu'il est, il ne vieillit pas et il ne meurt pas. Mais que devient-il sans les offrandes des humains sans... Alors, on ne parlera pas de mort dans ces cas-là, mais il est clair que les dieux ont besoin des hommes. Et ça, c'est quelque chose qui, dans une tradition euh, judéo-chrétienne, n'est pas, enfin, chrétienne, on va dire, n'est pas tout à fait euh, évidente. C'est-à-dire que la, la, la divinité doit recevoir l'hommage des humains pour être pleinement elle-même. Ça ne veut pas dire qu'elle meurt si les hommes ne l'honorent pas, mais son statut divin en est quelque peu altéré dans la représentation mythique des, des dieux. Alors, la mort dont vous parlez, c'est évidemment la mort des dieux sous les coups du christianisme. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose, parce que cette anecdote du grand pan qui, qui meurt, on est dans, manifestement dans ce contexte-là. Alors, les dieux grecs sont-ils morts euh, Ce qui est intéressant de, de constater, quand, quand les premiers euh, intellectuels chrétiens vont tenter de se positionner par rapport au, à ce qu'on appelle alors le paganisme ambiant, euh, il y a diverses stratégies qui vont se mettre en place. Et curieusement, pour nous, on, on a l'impression que la stratégie la plus évidente, c'est de dire, mais toutes ces choses n'existent pas. Alors, ce sera une stratégie, mais elle sera finalement assez marginale. La stratégie essentielle de la démarche des, 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 premiers, euh, des premiers intellectuels chrétiens, ce sera de dire ce ne sont pas des dieux, ce sont des démons. C'est-à-dire, ce qui est quand même extraordinaire, on ne nie pas l'existence de ces entités, mais on en transforme le statut. Et donc, dans les premiers temps de cette apologie chrétienne, ce sera le, ce sera le, le, le discours. Donc, ce sont des démons qui ont donc essayé de pervertir l'humanité, de détourner le message du vrai Dieu, parce que c'est ça l'essentiel du discours à ce moment-là. Je pense que c'est une, une, une césure dont on ne prend pas toujours la mesure. Ce qui distingue fondamentalement le monde polythéiste du monde euh, monothéiste, c'est moins la pluralité face à l'unité que la question de la vérité qui émerge avec le monothéisme, c'est-à-dire le Dieu est non seulement unique mais il est vrai, alors que la question de la vérité des dieux antiques était une non-question. Ça ne se posez pas. Et donc, la stratégie, on voit bien comment elle se, elle se dessine. À partir du moment où les apologistes chrétiens considèrent qu'ils sont porteurs du message du vrai Dieu, mais ben les autres, ce sont des faux dieux, en fait. Donc, on ne nie pas leur existence, mais on nie leur, leur, vérité, leur vérité. Et donc, il a fallu un certain temps pour que les dieux meurent véritablement. À partir du moment où le, le christianisme s'est imposé... Euh, au terme, je dirais, de, de, de ce que nous appelons l'Empire romain, euh, là, la question des démons ne s'est plus vraiment posée. C'est dans le feu de la polémique initiale que cette stratégie de démonisation a eu lieu. Après, le problème ne se posait plus, ils étaient refroidis. Alors j'espère que la salle ne s'est pas refroidie en revanche. Merci beaucoup déjà à tous les deux. Et je propose d'ouvrir à la salle... À des questions éventuelles pour Vincent pirendel delforge ou Philippe d'Escola. Vous pouvez déjà les applaudir. Ça semble légitime. Alors, monsieur a une question. Merci. Tout d'abord, félicitations pour vous trois pour cet échange matinal. Ça a été absolument passionnant. Merci beaucoup. Je voudrais, euh, vous avez commencé votre, euh, votre conférence en parlant de religion des Grecs et de religion de l'au-delà, enfin des lointains, pardon. Et en vous écoutant, je ne suis pas sûr d'avoir très, très bien compris ce que vous voulez dire par religion des Grecs. J'ai entendu vous parliez des oracles. J'ai entendu parler de continuité, discontinuité, nature culture, d'accord. Je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire par religion des Grecs. Par contre, de l'autre côté, lorsque vous avez euh, parlé de religion euh, du lointain, donc de, de Monsieur Descola, j'ai plus eu l'impression que vous parliez peut-être, et on l'a peut-être, enfin, je, je considère que vous l'avez peut-être pas essentiellement utilisé, de spiritualité. Donc là, je trouve que je, je me perds un peu entre les deux, en me disant que d'un côté, il y a peut-être, peut-être, mais j'en suis pas sûr, de la religion et peut-être même plus, peut-être, de, de la spiritualité pour le côté grec en fin de compte que de religion. Enfin, je ne sais pas très clair. Et de l'autre côté, en tous les cas, définitivement, de la spiritualité. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être essayer d'éclaircir de, de, un petit peu ces deux points-là, et en particulier, enfin, j'ai l'impression qu'on est, par exemple, entre deux rives d'un fleuve, sur le fleuve s'appellerait la relation du visible à l'invisible, on passe de l'un à l'autre. Donc, je suis pas très, très, très clair sur ce. Si vous pouvez apporter quelques commentaires, excusez-moi, j'aurais peut-être une deuxième question. Euh, euh, on va déjà répondre à cette. Laissez-nous peut-être oui. d'abord répondre à cette question qui n'est pas mince. Hein <laughs> oui. Votre question est tout à fait pertinente. Euh, sur la, en fait, ma chère au Collège de France s'intitule Religion, histoire et société dans le monde grec antique. Et, mais je passe mon temps à justifier, évidemment, le recours au terme même de religion qui est très discuté. Très discuté tout simplement parce que, une fois encore, euh, nous avons deux millénaires de christianisme derrière nous et donc il est extrêmement difficile d'utiliser un terme qui est aussi lourd de présupposés culturellement déterminé donc votre question est particulièrement pertinente euh, mais pour retourner la, le, donc le terme est problématique mais dans mon cas et je ne préjuge pas de ce que Philippe répondra à cette, à cette question évidemment dans mon cas je dois dire qu'on n'a pas trouvé mieux euh, on n'a pas trouvé, j'ai je, je, cherché, et c'est quelque chose qui est, qui est, qui est très, très discuté dans la, la communauté des, des historiens des religions, justement, euh, finalement, qu'est-ce qu'on définit, qu'est-ce qu qu'on place derrière le terme de religion Donc moi, je l'assume à titre opératoire, c'est-à-dire pour moi, c'est un outil qui me permet de désigner de façon... Euh, approximative, ce, cet ensemble que les, pour lequel les Grecs n'avaient pas de terme aussi englobant, hein, c'est bien ça mon problème, c'est que je ne trouve pas de terme dans le lexique de ceux que j'étudie qui peut être traduit facilement par religion, mais ce n'est pas parce que le terme n'existe pas que quelque chose de, la, de, de ce que je vais mettre derrière le terme de religion n'existe ne, pas. Donc, pour moi, si vous voulez, euh, l'approche... La, méthodologique, elle est simple. Je définis ce que j'entends par là, et puis j'applique ce terme aux, aux éléments que j'étudie. Euh, donc pour moi, qu'est-ce que c'est la religion en l'occurrence C'est une institution au sens de quelque chose qui est institué, hein, donc pas au sens purement euh, légal, mais quelque chose qui est institué, et qui permet précisément la relation et la communication entre des groupes humains et... Des entités suprahumaines. Voilà. Donc, une fois que j'ai défini, si vous voulez, de façon expérimentale l'étiquette que je, dont je me, je me saisis, je me sens autorisé à l'utiliser. Alors, comme cette étiquette est relative, ce label est relativement général. J'ai la faiblesse de penser qui peut servir à la comparaison. Mais en tout cas, je me méfie beaucoup de la notion de spiritualité dès qu'il s'agit de la Grèce. Voilà. Oh, je suis tout à fait d'accord avec ce que, ce que vient de dire Vinciane. On est très, très embarrassé par ce, par ce terme qui, comme nature, culture, histoire, art, société, est un macro-concept lié à une trajectoire historique singulière qui est celle de l'Europe et qui a été employé de façon rétrospective pour essayer de comprendre certaines institutions, certaines formes de rapport avec l'invisible dans le passé païen et en même temps a été utilisé aussi par les chroniqueurs, les premiers ethnographes pour essayer de les, 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 les extirpateurs d'idolâtrie aussi dans les amériques pour essayer de, de définir des rapports au, à l'invisible chez des population euh, où il était difficile de trouver euh, quelque chose comme une religion parce qu'il n'y avait pas de, de temple, il n'y avait pas de clergé, euh, etc. C'est pour ça qu'on s'est rattaché, ou on s'est raccroché au fond au terme chamanisme qui, pour reprendre ce que disait tout à l'heure euh, Vinciane, pour les anthropologues n'a pas, pas beaucoup plus de sens euh, qu'il n'en a euh, euh, lorsqu'il est employé euh, pour définir des des personnages qui ont certaines fonctions dans la, dans la Grèce antique. Donc c'est effectivement, le, ce terme de religion est très embarrassant et euh, c'est intéressant de voir que lorsque l'étude comparative des religions a commencé à se développer au XVIIIe siècle, euh, euh, les, les, les comparaisons ont été faites entre des sauvages américains, je pense à la Hontan, par exemple. Et, et ah bah, oui, à la phyto, pardon, et, et, et euh, l'antiquité euh, 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 méditerranéenne au sens large, en particulier grec. Moi, je dirais euh, qu'il y a deux polarités euh, qui sont, euh, euh, au fond, qui sont développées euh, du, du fait du christianisme. Euh, et qui, sur lequel il faut mettre l'accent, c'est la transcendance et l'immanence. Euh, la, la, la transcendance est quelque chose qui est très lié au monothéisme, aux religions du livre, l'idée d'une extériorité, de la, de, la, de la puissance divine, d'un point de totalisation en quelque sorte qui va donner tout son sens à la totalité de l'édifice cosmique euh, et au rôle que euh, les humains notamment y jouent. Et puis l'immanence, c'est précisément comme dans le cas de l'archipel animiste que j'évoquais tout à l'heure, cette présence d'êtres, de, de, d'esprits, de, d'entités avec les, les, lesquelles les, les, les humains doivent compter, mais qui à aucun moment n'implique une position d'extériorité de, ou de, de, de supériorité. Ce, ce, ce contraste entre... Transcendance, euh, immanence. Euh, euh, au fond, on, on a transcendantalisé, euh, le, le, en, en, avec le terme religion, euh, le rapport à l'invisible de très nombreuses civilisations où l'idée même de transcendance n'avait guère de sens. C'est intéressant de voir d'ailleurs comment des euh, ethnologues, qui, missionnaires par exemple, ont euh, trouvé en quelque sorte dans des. Euh, dans des ontologies locales, des divinités euh, suprêmes en quelque sorte, euh, parce que ça les rassurait de penser qu'il euh, y avait, alors c'est la théorie de la préfiguration, hein, qu'il y avait dans euh, ce qu'ils appelaient les religions autochtones, mais c'est toujours le cas. Hein, J'ai des bons amis salésiens euh, en Équateur euh, euh, qui font ce travail euh, au quotidien, qui euh, retrouvent en quelque sorte dans des personnages de la mythologie, etc ce qu'ils estiment être des de, traces préexistantes d'une révélation divine. Euh, simplement, elle n'a pas de, ça, la forme achevée que la, les, la, les saintes écritures lui ont donné, et c'est le rôle des missionnaires que de faire advenir, au fond, surgir euh, à travers cette, ces pressentiments, en quelque sorte, euh, l'expression euh, parachevée par euh, de, de la religion chrétienne. Euh, c est, c est, je, alors, moi je voudrais re revenir peut-être à ce propos sur quelque chose qui est important parce qu'on partage un terme, hein, lorsqu'on parle de religion, Vinciane et moi et en général les historiens de la Grèce antique et, et, et les anthropologues, qui est le terme de mythe. Et c'est un terme qui est particulier, qui est à peu près aussi chargé et piégeux, et aussi, piégeux, aussi, piégeux. aussi piégeux que le terme de religion. Euh, Puisque il désigne, je crois, des choses assez différentes. Euh, Peut-être que Vinciane voudra revenir sur ce que c'est qu'un mythe euh, et si les Grecs ont cru à leur mythe. Euh, euh, mais moi, je voudrais en dire un mot à propos du monde amazonien en particulier. Les strauss disaient, euh, euh, les mythes, c'est des histoires de l'époque où euh, les humains, les animaux communiquaient, ce qui n'est pas une mauvaise façon de, de définir cela. À condition de préciser dans quelles conditions il communiquait. Au fond, c'est une époque. Dans les... Alors, c'est une époque. C'est ça le problème c'est que tous nos termes sont marqués par un régime de temporalité qui est celui qui nous est le plus familier, qui est le régime historique. Alors que je pense qu'il faut sortir de ce régime de temporalité lorsqu'on parle des mythes amazoniens. Les mythes amazoniens décrivent des événements catastrophiques qui se sont produits. Euh, euh, et qui ont à un certain moment euh, permis euh, la e e e e e spéciation des espèces naturelles, hein, pour employer une terminologie qui nous est propre. C'est-à-dire à un certain moment, un être qui portait en lui, par son nom d'animal ou de plante, la potentialité de devenir un animal ou une plante, il lui est arrivé un accident. Et euh, il s'est transformé en un animal ou une plante, et il a gardé de cette époque. Euh, euh, C'est pas un héros mythique en ce sens-là. C'est euh, tous les descendants, en somme, de cet être ont gardé de cette époque à la fois leur intériorité, donc la capacité qu'ils avaient euh, au moment, avant qu'ils se transforment de communiquer avec tous les autres êtres portant euh, ce, ce, ce nom et avec d'autres êtres, dont les humains. Euh, il a gardé cette possibilité tout en, a, euh, en, en acquérant une, une, une apparence, une forme, un costume, comme je l'ai dit tout à l'heure, un vêtement euh, différent. Et cette, euh, cette, euh, cette caractéristique du mythe qui est un passage non pas de la nature à la culture, mais au contraire de la culture à la diversité naturelle, si je puis dire, c'est-à-dire de la monoculture, puisque tous les êtres à cette époque partageaient les mêmes compétences, les mêmes arts, ils faisaient la cuisine, ils avaient des systèmes de parenté, ils jouaient de la musique, etc. Donc ils avaient une culture de type humain et progressivement une fragmentation est venue s'introduire dans cette continuité culturelle et a produit des, des, des espèces naturelles. Et ces différentes espèces naturelles, évidemment, ne sont pas des espèces naturelles au sens où nous les entendons nous, puisqu'encore une fois, on peut toujours communiquer avec elles parce qu'elles ont conservé leur intériorité, mais elles ont acquis avec leur corps précisément des mondes qui leur sont spécifiques. Et donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas une histoire des temps passés, c'est une sorte d'axiomatique, c'est-à-dire c'est un énoncé des conditions qui permettent de penser le temps présent. Le temps présent n'est n'est imaginable en quelque sorte qu'à partir de cette histoire, mais qui n'est pas une histoire naturelle au sens classique, c'est-à-dire c'est pas euh, une série d'engendrements ce sont encore une fois des conditions d'existence de, 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 du, du quotidien. Voilà ce que c'est que le, le, le mythe euh, amazonien, qui, je crois, diffère. Alors c'est toujours le problème, effectivement, qu'on emploie les mêmes termes, mais qui me paraît différer beaucoup du, du mythos euh, grec. Juste un mot pour vous laisser quand même un peu la parole. Euh, oui, autant religion, comme je viens de, de, de le dire en, en répondant à monsieur, euh, je, je l'utilise à titre opératoire, mais avec cette définition assez large qui, euh, qui permet beaucoup de choses. Mais dans, dans l'optique aussi de, de ne pas... En fait, juste encore un mot sur, sur la, la question de la religion, et puis je passerai au mythe. Si vous voulez, mon, mon souci avec euh, en, en refusant le terme de religion, c'est qu'on le risque pour moi, c'est de rentrer à nouveau dans l'idée que la vraie religion, c'est uniquement la religion monothéiste. Et donc quelque part, en continuant quand même d'utiliser ce terme, mais en le en le définissant soigneusement en fonction des objets que l'on approche, euh, il, je, on, on rend, si vous voulez, son caractère relatif à l'appellation. En tout cas, d'un point de vue méthodologique, c'est comme ça que je le vois. Alors, les mythes, évidemment, là, par contre, je, en général, j'essaie d'éviter le terme. Pour la Grèce, je parle de tradition narrative, tradition narrative qui met en scène des dieux et des héros, mais dans un régime d'historicité qui est différent de celui que, que vient d'évoquer Philippe d'Escola, parce que la notion du passé est très très forte dans les... Dans les traditions narratives des Grecs telles que je viens de les, de les définir. Donc là, ce rapport à un passé qui est évidemment aussi fondateur, mais pour d'autres raisons, plus à l'aune des communautés humaines, pas tellement de l'espèce comme telle, mais plutôt à l'aune de chaque communauté qui se projette dans un passé fondateur et va raconter toute une série de traditions d'un temps où les dieux et les hommes étaient encore proches. Ça, ça on retrouve, mais ce sont les dieux. En l'occurrence, qui sont déterminants. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être, si vous permettez, on va laisser la parole à d'autres questions et on reviendra vers vous s'il nous reste encore un peu de temps. Attendez, parce qu'il a... Il vous faut un micro pour prendre oui. la parole. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention qui était particulièrement extraordinaire et intéressante. J'aurais une question pour Philippe Descola. Euh, je voulais savoir si, dans le cadre, dans le contexte de la vie des Achoirs, est-ce que vous, votre compagne Anne-Christine Taylor, vous avez pu identifier ce qu'on pourrait appeler peut-être une économie narrative de la rencontre avec euh, des personnages de l'invisible je prends, je prends un exemple. Est-ce que, dans le cadre d'un rêve, est-ce qu'il y a une façon un peu stéréotypée de raconter un rêve Ou est-ce que la façon de raconter un rêve est aussi multiple que le nombre de rêves qu'on pourrait faire Merci beaucoup. Ah oui, il y a bien sûr une économie narrative qui, dans le cadre des rencontres d'esprit à l'extérieur, si je puis dire, suit le même modèle que les récits de chasse. Autrement dit, lorsqu'un chasseur revient le soir, après une journée passée en forêt, il va restituer, au fond, la série des. Des actions, euh, des endroits où il a été, des actions qu'il a entreprises, etc., des rencontres qu'il a faites, et euh, dans le même euh, tissu narratif euh, euh, qui inclut euh, le, le repérage d'une piste, euh, de, etc., etc., il y aura éventuellement euh, des circonstances un peu particulières qui euh, l'ont euh, incité à penser qu'il a rencontré un esprit. Donc on n'est pas dans le domaine de la spiritualité du tout, pour revenir à, ce que, à, à la question précédente. Euh, on est dans un domaine de rencontre d'un être, qui en l'occurrence est un, un non-humain, mais qui pourrait être une seule, enfin qui, même l'expression non-humain d'ailleurs n'est pas très adéquate, euh, euh, qui va être racontée au fond sur le même modèle narratif que celui de la rencontre d'un animal. C'est pour ça que je parlais d'immanence tout à l'heure, c'est-à-dire il n'y a véritablement pas d'extériorité. Euh, même chose pour les, pour les rêves. Oui, il y, y a une économie narrative du rêve, euh, puisque, au fond, c'est un discours standardisé. Hein, puis, euh, tous les matins, euh, en effet, on va parler de ses rêves, donc on va parler de la même façon. et de, euh, euh, Je pense que la, 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 la mise en récit joue un rôle très important. Euh, euh, on. on, on L'animisme, pas pour revenir à ces questions de religion, ce n'est pas, pas un dogme, ce n'est pas, pas quelque chose dans lequel on croit. Euh, c'est un récit, c'est une mise en récit d'expérience. Et les récits qui sont classiques, et, je, et pas les mythes, parce que les mythes, ce ne sont pas des récits animistes, au fond. Hein, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des axiomatiques. Euh, les récits dont on dispose... Pour donner une existence sociale, en fait, à ce que j'appelle moi l'animisme, euh, ce sont ces récits que j'évoquais à l'instant, c'est-à-dire effectivement les récits de chasse, les, ré les récits de rencontres, les récits de, 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 de alors, des oui, c'est des rêves. Euh, je me souviens euh, euh, d'un homme qui euh, racontait qu'il allait dormir près d'un petit lac et que là, son il avait une épouse qui était une épouse des eaux, en quelque sorte. C'était une loutre, une loutre géante, et qui lui apparaissait sous forme humaine, sortait du lac. Et il avait donc une autre famille sous le, sous le, sous le lac, avec un, un, un beau-père. Qui était un peu jaloux du fait qu'il avait un autre beau-père sur la terre avec d'autres épouses. Mais comme c'est une société polygame, on peut avoir plusieurs épouses, mais il ne faut pas qu'il y ait trop de, 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 de compétition entre les épouses et surtout entre les beaux-pères. C'est ça le, le problème. Euh, et, et euh, au fond il y avait une, 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 une continuité entre les deux entre les deux mondes et lorsqu'il racontait cela c'était pas sur le régime d'un mythe, hein. attention je vais vous raconter un mythe euh, la, la formule pour les mythes c'est euh, alors il y a un élément de non pas de temporalité mais d'antériorité c'est il y, y, y a longtemps, il y a longtemps il y a très longtemps euh, donc c'est une condition temporale, il faut que ça c comme une axiomatique. Il faut que l'axiomatique précède des opérations qu'on va pouvoir mener à partir de, de, de celle-ci. Euh, mais c'est. Euh, alors, ces récits de, 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 de cet homme, qui n'étaient pas du tout présentés comme, comme des mythes, hein, étaient simplement des récits d'histoire de, de, de ce qui lui arrivait pendant, quand il allait dormir au bord du lac hein, et, et qui se. Peut, c'est pour ça qu'il est important effectivement de ne pas parler d'un monde étranger, d'un monde autre. Ces mondes sont complètement interpénétrés. Hein. Ils sont, on y accède par euh, tout d'un coup, c'est ce que je disais au tout début de, de, de mon intervention, parce qu'on a un indice qui tout d'un coup va vous euh, indiquer euh, euh, la présence euh, d'un être qui n'est pas celui qu'on voit. Euh, en permanence, tous les jours, dans la maison. Mais on sait qu'il est là et qu'il peut intervenir dans votre vie. Euh, euh, voilà. Donc, oui, bien sûr, les régimes narratifs jouent un rôle très, 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 très important parce que ça, ça fournit un cadre qui permet de donner euh, voix, en quelque sorte, corps aux expériences euh, euh, que l'on traverse dans la, dans la vie quotidienne. Oui. Une autre question Je vais... Vous et ensuite, madame en orange. Allez-y, je vous en prie. Pardon. Bonjour, merci beaucoup pour cette rencontre. J'ai une question pour madame pierre Delforge. Est-ce que, comme monsieur Descola l'expliquait pour l'archipel animiste, il y a dans là où les religions des Grecs des dieux qui prennent forme dans le réel et pas dans un passé lointain, dans un objet ou dans un vêtement, ou dans, outre le, le Xuanon qui est à Athènes le, le corps d'Athéna envoyé sur Terre, mais est-ce qu'il y, y a vraiment cette relation à l'objet dans la religion grecque Alors, merci pour la question. Évidemment, là, ça, ça fait aussi référence au dernier livre de, de Philippe Descola sur la, les figures, la figuration. Euh, là, là encore. La Grèce a cette spécificité d'une vision que nous appelons anthropomorphe du divin. Je ne vous apprendrai rien, vous connaissez le Xoanon, donc vous êtes déjà informé de, de, de ces questions. Mais je dirais que toute la, toute la problématique qui se pose à nous quand on essaie de comprendre l'interaction entre les humains, les dieux via des objets, c'est l'identité ou non qui est opérée entre ces entités et l'objet en question. Je pense que là, il faut vraiment être très attentif parce que quand on parle d'anthropomorphisme, on considère que les dieux ressemblent à des humains et donc que la statue, les la statue quand elle est anthropomorphe, les représente. Ça, c'est une vision de moderne. Je pense qu'il faut vraiment être extrêmement prudent à cet égard. Euh, tout ce que j'ai pu étudier à cet égard me montre que... L'objet, quel qu'il soit, qu'il soit figuratif ou non, enfin ce que nous appelons figuratif, euh, est un lieu privilégié de la manifestation du divin. C'est-à-dire que le, le, les hommes vont créer les conditions d'une rencontre. Alors évidemment, je, vous parlez d'Athènes. Prenons cet exemple-là. À Athènes, sur l'Acropole, on a l'olivier. L'olivier est censé avoir été donné aux Athéniens par Athéna, donc c'est un geste épiphanique. Quelque part, l'olivier c'est une épiphanie, c'est le, le, le fruit de cette épiphanie d'Athéna. Euh, toutes les rencontres ne sont pas susceptibles d'être épiphaniques. Il faut bien à un certain moment forcer l'épiphanie, si vous me permettez ce raccourci. Et donc, dans ce cas-là, l'objet une, opérera une médiation en quelque sorte. Alors dans le cas de la petite statue en bois d'Athéna sur l'Acropole, elle était censée tomber du ciel, être tombée du ciel, donc c'est un objet épiphanique. Et puis dans le Parthénon, dans ce que nous appelons le Parthénon, il y a cette énorme chose qui devait être absolument terrible à nos yeux de modernes, une statue géante de la déesse en, en or et en ivoire. Alors, on pose souvent la question de savoir oui, mais quelle est la vraie statue de culte C'est pas le problème. D'un côté, on a cette petite statue qui est censée tomber du ciel et qui permet l'interaction. De l'autre, on a un objet qui est un cadeau superlatif à la divinité, mais qui est aussi potentiellement une manifestation de sa puissance. Et donc, il y a des gradations possibles dans l'intensité de la communication. Mais hormis quelques récits, je pense que peu de Grecs considéraient que la statue était le Dieu. Mais c'est le lieu privilégié de sa manifestation parce qu'on crée les conditions, et on parlait tout à l'heure des honneurs qui lui étaient rendus, autour de la statue, vous avez les rituels. Et donc les rituels sont évidemment le, le médium adéquat pour créer la communication. Cette communication qui est au cœur de la définition de la religion comme outil d'analyse que j'évoquais il y a un instant. Voilà. Mais, mais est-ce qu'il y a une part de la divinité dans ces objets ou est-ce que ces objets sont une porte privilégiée d'ouverture vers la divinité, une sorte de passage vers la divinité Les Grecs ne... C'est peut-être une notion qui oh. n'a pas de sens. Oui, voilà, ce n'est pas comme ça que ça se passait, on va dire. Ce n'est pas comme ça que ça se figurait, que ça se représentait. Euh, les dieux sont. Il y a un, un très beau vers de l'Odyssée qui le dit Les dieux, en des, des apparences diverses, euh, sont sur la terre pour regarder ce que font les hommes. Mais ils ont des apparences diverses. Alors, pour éviter le caractère purement aléatoire de la rencontre, c'est ce que je disais, il faut créer les conditions. Donc, il y a des endroits privilégiés où les rituels construisent quelque chose qui permet l'interaction et un objet peut être porteur de cette, de cette interaction. Mais on ne va pas parler de porte ou de. Non, c'est simplement, à un moment donné, il faut des intermédiaires pour entrer en contact avec l'invisible. Alors, l'invisible. En fait, permettez-moi ce raccourci, si, si la gardère ne vient pas. Euh, non, comment est-ce qu'on dit euh, si tu ne viens, pas, si à tu tu ne viens pas à la gardère, la gardère viendra à toi. C'est un peu ça. C'est-à-dire que le Dieu peut se manifester de façon spontanée, mais comme ce n'est pas toujours le cas et que c'est difficile de savoir si un signe est effectivement significatif ou non, envoyé par un Dieu ou non, ce qui semble être un signe, d'où est-ce que ça vient euh, le, le, la création d'un espace privilégié pour cette interaction permet de l'activer sur, sur un fondement régulier. Voilà. pardon pour la question provocante. c'est comme un tabernacle ou un crucifix? Euh, c'est pas provocant, c'est un peu piégeux. <laughs> rien de personnel. non, 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 non. Euh, que... oui, je dirais que l'analogie a ses vertus à partir du moment où on ne rabat pas une image. Parce que les, les, les conditions de, de l'interaction, la, la mise en forme, si vous voulez, de l'interaction, n'est pas la même. Mais la recherche de l'interaction, évidemment, est comparable d'un côté comme de l'autre. Absolument. Je peux rajouter quelque chose. Il y a un anthropologue anglais trop tôt disparu, Alfred Gell, qui a écrit un grand livre. Euh, Art and Agency, euh, euh, qui euh, propose l'idée que la, 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 beaucoup d'objets euh, un peu partout dans le monde, euh, formule un peu générale, <laughs> représentent non pas au sens d'une figuration immédiate, mimétique, ou de l'incarnation en quelque sorte de la présence d'une présence divine, par exemple, mais au sens d'une représentation diplomatique, c'est-à-dire le fait qu'un diplomate représente son gouvernement. Et je pense que dans un cas comme celui que tu as évoqué, c est on, est, on, est, on est véritablement dans ce oui, domaine. Et on peut dire cela aussi d'autres. Je pense aux, aux bétiles, c'est-à-dire aux pierres informes, en réalité, qui étaient caractéristiques de la civilisation grecque. Mais on trouve ça chez les, dans les wakas, qui sont des, 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 des lieux sacrés dans le monde andin, dans le monde incaïque en particulier, et toujours à l'heure actuelle, qui peuvent être des rochers. Euh, et qui euh, ont la même ambiguïté au fond représentative ou représentationnelle que celle que tu viens d'évoquer. Et le problème avec les Grecs, c'est évidemment que comme ils ont considéré que la forme humaine était finalement la, la plus adéquate pour cette interaction, euh, il est difficile pour nous de nous abstraire de cette représentation. Que l'on a envie de considérer comme mimétique, mais même en Grèce, elle n'est pas mimétique. On peut on peut renvoyer à votre dernier ouvrage, Philippe Descola, Les Formes du Visible, aux éditions Seuil, pour lequel vous avez reçu le, le prix de la Fondation Martine Obled, d'ailleurs ici même. Peut-être une dernière question rapide, si vous voulez bien, vous êtes très patiente, Madame. Très patiente. La parole est à vous, et ça, vous, oui, est vous oui oui c'est bien vous. D'abord je voulais vous remercier pour ces magnifiques échanges et je voulais revenir à la question que vous aviez posée, Monsieur Charlier, quant à la mort des dieux. Et, et finalement, la réponse que nous avions reçue, c'était que les dieux ont changé de statut, ils sont devenus des démons. Alors, la jeune grecque que j'ai été à l'école, qui a partagé son temps entre euh, la littérature, en fait, et l'apprentissage la, du grec ancien et la théologie, donc euh, récente, l'orthodoxie, ne m'a pas du tout donné cette impression de démonisation, paradoxalement, des dieux anciens. Et vous voyez. Euh, ce qui est très intéressant, c'est que Georges Seferis, qui est le grand écrivain grec contemporain, un il a écrit un texte absolument prodigieux euh, dans son livre Les Essais sur Delphes, où il dit que finalement, les dieux ont déserté les temples. Ils sont sortis et ils sont allés dans la nature. Et notre professeur à l'école, il nous disait, voilà, les dieux sont sortis, ils sont allés dans la nature et il a fallu remplacer les dieux. Mmh. Alors, attention, quand je parlais de démonisation, c'était pour les, allez, les deux premiers siècles de l'apologétique chrétienne. Les paléochrétiens. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire les, les, les premiers temps de la, de la confrontation directe sur le terrain entre le christianisme naissant et la culture locale, qui était celle d'un polythéisme ancestral. Donc voilà. J'ai fait cette plaisanterie en disant qu'à un moment donné, les dieux s'étaient refroidis, c'est-à-dire qu'ils n'étaient plus un problème pour les chrétiens, mais ils sont devenus évidemment un objet d'érudition, un objet extrêmement présent dans, dans l'imaginaire, à partir du moment où euh, le, le monde occidental a intégré, notamment à partir de la Renaissance, et puis je parlerai de la Grèce elle-même après, euh, à partir de la Renaissance, à partir du moment où on retrouve... Les textes de la Grèce antique, évidemment, les dieux sont partout. Donc, euh, ils retrouvent un, un statut présent dans la, dans la culture et c'est celui qu'on a toujours, le rapport que l'on a toujours avec eux. Vous entrez dans n'importe quel musée, vous aurez des statues de, de, de dieux antiques, mais, si vous me permettez, refroidis au sens où ils ne sont plus dans un, dans, dans un cadre d'interaction rituelle. C'est ça, ça que je veux dire. Alors maintenant en grèce aujourd'hui, il y a évidemment un rapport à ces dieux de l'antiquité qui est extrêmement divers. vous avez des néo-païens hein, qui font toujours des sacrifices, qui font des fêtes au pied de, de, du mont olympe. c'est très intéressant, enfin, pour moi, en termes de non pas de survivance, mais, mais de réappropriation. et puis, vous avez séphéris avec évidemment le, le rapport à, au, au dieu de son du, du passé qui, qui est encore d'un autre ordre, mais non, non, la démonisation, pour répondre à votre question, elle est, c'est précisément dans le cadre de la de la controverse entre les premiers chrétiens et le le, le, le milieu auquel ils appartiennent, puisque les premiers chrétiens sont des convertis, donc ils sont les produits de cette païdéia grecque et de ce polythéisme. Je vous remercie beaucoup à nouveau pour cet échange. Pour vous, pour vous, le week-end, l'ethnologie va vous surprendre. Continue jusqu'à la fermeture des portes du musée aujourd'hui. Beaucoup d'animations pour les familles. Également des présentations d'œuvres qu'on appelle des décryptages. Et puis des, des petites conférences un petit peu partout dans les espaces du musée, y compris dans les jardins. Et puis, euh, n'oubliez pas d'aller voter aujourd'hui. Merci. Bonne journée.